Les événements indésirables graves associés aux soins sont nombreux et souvent évitables. Classiquement, on relève un événement indésirable grave tous les 5 jours dans une unité de médecine de 30 lits. Les études menées par la Haute Autorité de Santé en France et par la Joint Commission aux États-Unis ont montré que les principales causes aboutissant aux défaillances de soins dépendent de la qualité du travail en équipe. Parmi ces causes, on retrouve des difficultés de communication, des défauts de coordination, des erreurs humaines non récupérées, des interruptions de tâches, des comportements inadaptés. La prévention médicale propose donc une formation sur le travail en équipe selon une méthode structurée par la Haute Autorité de Santé. Dans un premier temps, tous les membres de l'équipe, guidés par un formateur habilité par la Haute Autorité de Santé, réalisent un autodiagnostic de leurs caractéristiques de fonctionnement, de leurs points forts et de leurs points faibles. Ensuite, le formateur les accompagne pour la mise en œuvre du plan d'action. Cette méthode, utilisée par les hôpitaux des vétérans aux États-Unis, a permis de diminuer de 18% la mortalité post-opératoire, ce qui confirme son efficacité. N'hésitez pas à nous contacter pour expérimenter cette méthode.